Hey, salut les passionnés, c'est Lord Authentique. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Nous sommes à Nouziers le samedi 18 mai 2024 pour les 24 heures sexe de Nouziers. Voilà. Donc ce matin, moi je me suis occupé de faire les contrôles techniques puisque je suis le directeur technique de l'épreuve. Voilà, c'est la toute première fois que j'occupe le poste de directeur technique, donc un poste à responsabilité. Et aussi, voilà, j'ai pris beaucoup de temps à m'occuper des contrôles techniques. C'est très prenant, mais voilà, c'est fait. Ils sont là juste derrière moi, prêts au départ, voilà, prêts à démarrer. Voilà, et je vais vous montrer toute cette course, voilà, en image dans cette vidéo. Allez, on continue. C'est parti pour les 24 heures Solex de Nouziers 2024. Bon bah voilà, ça y est, les essais ont commencé, hein. J'ai pas pu vous montrer le départ des essais, hein, pas de la course, hein, des essais. Voilà, donc les Solex sont en train d'essayer la piste, et d'essayer de voir si la machine fonctionne bien, les freins, tout ça, s'assurer que tout va bien. C'est très prenant le poste de directeur technique, voilà, directeur, voilà. Et en tout cas, je vais montrer toute cette course, et puis à l'occasion, je vais aussi vous montrer une personne, un de mes abonnés, voilà, qui a ramené un petit tableau avec des articles de presse, et je vais vous montrer ça aussi. Allez, on continue. Bon ben voilà les passionnés, on est toujours sur les essais. Et je suis en compagnie de mes abonnés, voilà, Frédéric qui est à côté de moi, juste là. Je vais vous présenter, voilà, Frédéric qui est juste là. Et là il va vous montrer justement des articles de presse qu'il a mis en tableau. Vas-y Frédéric, présente-nous et parle-nous de la compétition de Solex. Voilà. Et j'ai arrêté, ça fait depuis 95. D'accord, 95, voilà. Donc il y a plus de 25 ans, on va dire même 30 ans. Il y a 30 ans. Ouais, voilà, donc un compétiteur de Solex, voilà. J'ai tourné un prototype et après j'ai tourné un super proto à la fin. D'accord, ok, voilà. D'accord. Ok. J'ai couru 24 heures de Blanquefort et 24 heures de Flavignac, 24 heures de Saint-Trieux. Ouais, et, voilà. Et encore d'autres. Après Péruse, Brossac, les 6 heures de Brossac. Ouais. Dans les Charentes, voilà. Malheureusement, des courses qui n'existent plus aujourd'hui. Ouais, voilà, qui n'existent plus, c'est voilà. Dommage. Ouais, ça c'est une question de bénévoles et c'est aussi d'argent. Voilà, oui. C'est le gros fer de lance de toutes les associations. Voilà. Et autrement, c'est une bonne organisation qu'ils ont à Nouziers. Ça dure depuis des années et des années. Ah ouais. Voilà. Parce que les bénévoles sont là. Voilà. Voilà. Et beaucoup de plusieurs communes qui seront de groupes pour organiser cette course. Voilà. Bah, disons qu'en course, on est dans un secteur très actif au niveau des courses de Solex. Ouais. Il y a Parsac et Mondex, il y a Nouziers, il y a Moutier-Malcar. Oui. Et j'en ai peut-être oublié encore une. Parsac, oui. Ouais, voilà. Parsac, ça j'ai cité, il y en a encore une. Voilà. Donc il y a pas mal de courses, de communes actives pour des courses de Solex. Voilà. Et j'ai amené quelques photos. Eh ben on va voir ça, ouais. Voilà. À nous, entre nous. Ok. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la course de Sainte. La Sainte, voilà. Voilà, ok. Le couple de Pâques. D'accord. Et là, c'est mes chevaux. D'accord. Donc voilà, on peut retrouver Frédéric qui est là, voilà. Voilà. J'ai trouvé un prototype. Voilà, donc ça, c'est un proto, voilà. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Proto, année, de quelle année, ce certain qui te passe? T'es cimbré? C'est en quelle année, ça? C'est en 91, je crois, non? T'es cimbré en 91? Ouais. Ok, d'accord. Voilà. D'accord, ok. Ok. Eh ben c'est plus vert. Et ben, comme quoi, même si on n'était pas encore né, il y en avait déjà qui faisaient les fous furieux en Solex. Voilà. Voilà, oui. Et en 91, j'avais juste 10 ans. Oui. J'avais juste 10 ans. J'en avais bien 21 ans. Voilà. La passion est restée toujours parce que j'en ai 54. Ouais. Et j'ai toujours la passion de la mécanique. Ah bah ça. Parce que je faisais pilotage et je faisais la mécanique. D'accord. Ouais. Ok, ouais. Voilà. Ouais, avec le temps, voilà, t'as un peu lâché le guidon pour la mécanique, voilà. Voilà. Ok, c'est toujours dans la passion. Voilà, c'est toujours la passion. Ok. C'est toujours la passion, pas sur les origines, mais plutôt prototype et super proto. Ok, d'accord. Ok. C'est ma passion parce que j'ai démarré dans les prototypes et après j'ai fini sur les super proto. Voilà. D'accord, ok. Mais je vois que là maintenant c'est drôlement poussé et drôlement évolué. Mais c'est ce que j'en expliquais. Ça fait des années que j'ai joué avec eux. C'est ce que j'expliquais avec Frédéric, voilà, donc voilà, on a discuté un petit peu avant qu'on prenne cette prise de vue. Et justement avec à partir de l'an 2000 jusqu'à l'an 2016, surtout le groupe IC en l'an 2000-2010, avec l'informatique, il y a eu des calculs de théorie qui ont été faits sur la performance des moteurs. Et c'est là que les temps autour se sont améliorés grâce à l'informatique. Voilà. Et c'est aussi la CAO, la confection de moteurs, la confection de pièces sur ordinateur. Ça a beaucoup joué sur les performances du moteur. Voilà. Les pièces à tabouret tournent très fort. Ouais. C'est du nouveau matériel, tabouret. Du nouveau matériel, oui, aussi l'arrivée du nouveau matériel, ouais. Ça a joué beaucoup aussi, vrai. Ouais,
Ok. Voilà. Eh ben merci à toi Frédéric. Merci. Et puis on continue sur les 24 soleils de Saint-Olivier, tous les deux, et puis on va apprécier. Ouais. Allez, on continue sur la vidéo. Ciao. Et merci Frédéric. Merci. Bon, voilà les passionnés, autre tâche pour la course des 24 heures sur l'Aix, hein, donc les essais sont terminés. Là, on va placer les numéros des participants en ordre de meilleur temps au tour, voilà. Donc là, ils ont déjà commencé. L'avantage, c'est qu'on peut marquer tout de suite et placer. Et puis moi, je vais m'atteler à la tâche. Allez, on continue. Voilà, déjà, tu vois, les premiers numéros sont là. Et on va continuer. Voilà, donc, du coup, on a placé les numéros là, ici, pour les participants. Du début là-bas jusqu'à là-bas, tu vois, à l'entrée des stands là-bas, il y a aussi des numéros. Donc ce seront les participants qui vont se placer. On les a invités, je sais pas si je les vois là-bas, on les a invités à se placer. Je te coupe la musique. Je vais me l'éloigner un peu de la sono. Donc les invités à démarrer du départ des stands, voilà. Ils vont se venir, ils vont faire leur tour de chauffe, ils vont arriver là-bas et puis ils vont se placer devant leurs numéros respectifs. Voilà. Donc voilà, le départ ne va pas tarder à démarrer. C'est une question de minutes. Mais on continue. Ça y est, il démarre. Et voici. Voilà, les pilotes qui démarrent. Voilà. Il va démarrer. Ça vient. C'est parti pour le tour de chauffe là. Voilà. Donc ils vont faire leur tour de chauffe, ils vont arriver là-bas. Voilà, ils vont arriver là-bas. Et puis ils vont se placer devant leur numéro respectif. Voilà. Allez, on continue. Le départ est imminent. Je répète, le départ est imminent. Voilà. Voiture balai. Il se place. Voilà, tous les pilotes sont là, les grandes machines, ils se placent. Voilà. T'as l'électrique numéro 44 qui est là aussi. Voilà. Voilà, ça va se placer tranquillement devant leurs numéros respectifs. Les pilotes essaient de récupérer leur Solex, leur machine. Voilà. Ça fait du monde là. Courage à toi, Donovan. Ouais, merci. On est content de voir autant de monde à nous y aller. C'est pas tous les jours, c'est pas toutes les nuits non plus. Donc, les pilotes, tout le monde s'installe gentiment. Alors que je vois encore deux Solex qui arrivent là-bas. On va attendre que la voiture et refait un deuxième tour. Philippe au mégaphone, à la sono, s'il te plaît. Philippe au mégaphone. Philippe au mégaphone. Il est où là? Il est où? Parti chercher de la bière? On aurait besoin de son mégaphone. Non, mais il faut qu'il l'utilise. Edwige, tu le voudrais? Donc, il est où le gars au mégaphone? Faudrait qu'il vienne par là. On aurait besoin de lui. Ouais. Sinon, on lui coupe. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas grave. Attends. C'est pas du tout ce que je pensais. Ouais, est-ce que tout le monde est arrivé? À démarrer là, il y a Edwige là qui est la directrice de course. Voilà, moi je me décale un peu parce que le départ.
enfin, pardon, bientôt démarrer. Des deux présidents, des deux. T'as les pilotes qui sont prêts. Allez, là. Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux, c'était pas gagné ce matin. Et merci aux pilotes, merci à tous nos bénévoles. Alors, il y a Madame le maire et certainement Madame la préfète qui est là, qui vont ouvrir la piste et donner le départ. Voilà. Et ben voilà, moi je suis un petit peu petit, je donne le décompte. Allez, c'est bon. Allez, attention, le départ va démarrer. Donc, je décompte. 5, 4, 3, 2, 1, partez. Allez, hop, regarde, regarde, regarde. C'est parti. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est ce qu'on appelle un départ lancé. Voilà. Donc c'est parti pour les 24 heures de course. Voilà, donc maintenant on dégage la piste pour des raisons de sécurité. Voilà. Hop. C'est parti. Et donc normalement dans 2 minutes. Bon voilà, c'est parti pour les 24 heures de Solex. C'est le bon démarrage. Donc je vais vous montrer au fur et à mesure de la course les images. Voilà, on va, ça va être long, 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 mais voilà, j'ai essayé de condenser au maximum. Et je vais vous montrer la course. Allez, on continue. Thank you.
dire que c'est la première que je vois. Ah, il y a les autres. Ah ben oui, derrière ça arrive. Non, ben, le quatrième. Savoir comment ça se passe et savoir le rapport entre le Solex et les avions. Ah bon. Edwige, si tu m'entends, est-ce que tatoué arrête? Il est 24. Fais un signe, un canard. Allez. Alors, on va stopper les essais. Donc vous n'avez pas de chance, vous venez d'arriver, vous n'allez plus les voir pendant une demi-heure. Oh. Vous n'aurez qu'à aller boire un coup, la buvette est juste en face. Et vous avez remarqué qu'on vous a mis la buvette à l'ombre. Oui. Équipage 21, un tiers Navarre et deux tiers, on ne sait pas d'où, qui sont en origine 21. De toute façon, vous l'avez tous remarqué. Thank you.
Salut les passionnés, c'est l'ordre authentique. On est le lendemain, dimanche 19, toujours sur les 24 heures. Le soleil. Voilà. Donc je suis un poste de commissaire de piste. Je fais le commissaire de piste ce matin. Laisse passer. Voilà. Donc poste commissaire de piste. Voilà. Il y a 150 degrés de soleil. Donc voilà, on continue la course et puis on va faire un presque comme ça aussi. C'est mieux du bistro. D'accord, il y en a un qui va prendre un drapeau. Hop, j'ai essayé. Je vais essayer de passer en dessous. Voilà. Donc là, il y en a un pas qui s'est prendu. Hop. C'est quoi le souci avec ta machine? C'est quoi le souci avec ta machine? Bah avec elle. Hein? Avec elle, j'aurais pas du mal. Ah d'accord. Tu lui vois rien. Ouais bah avec le bruit. Bon bah je vais lui donner un petit coup de main pour la machine, il fait des maladies panées sur place. Et on va voir. Mais la journée continue. L'arrivée c'est aujourd'hui dimanche 19 mai à 17h. Là il est 7h50, 7h55, voilà. Mais on continue. Bon ben voilà les passionnés, je suis presque à la fin de mon relais. Voilà, j'ai passé les machines. Donc il est 10h20 à peu près, 10h20, et donc je vais m'apprêter à passer le relais, voilà, pour le poste de commissaire de piste, voilà. Toujours sur le bouchereau, voilà, le bouchereau qui est là, voilà. Donc c'est presque la fin pour moi, pour mon relais de commissaire de piste, et puis je vais montrer la continuité de cette course, voilà, la continuité de cette course pour les 24 heures Solex de Nouziers 2024, voilà. Et puis on va vous montrer, je vais vous montrer ça jusqu'à la ligne d'arrivée. Allez, on continue. Mais voici les passionnés, donc voilà, c'est bientôt la fin de la course. On est à moins d'une demi-heure de l'arrivée, voilà. Et après plus de 23 heures de course, voilà. L'entrée des stands est là, voilà, les machines rentrent. Il y a la passerelle avec la France Bleue Creuse, voilà. Donc c'est vraiment les derniers tours. Je ne sais pas si je peux trop filmer un petit peu après, mais de toute façon, il y aura une conclusion sur cette vidéo. Je suis directeur technique, donc je vais devoir contrôler les machines, les quatre premiers. Alors le quatrième, bon, ça c'est une volonté de l'organisation. Moi, ça ne voit pas trop d'intérêt, mais voilà, c'est une volonté de l'organisation de contrôler aussi le quatrième. Mais voilà, je vais contrôler les quatre premiers de chaque catégorie, hormis électrique, puisqu'ils sont plus forts. Mais voilà, c'est la catégorie origine, origine améliorée, promotion, prototype, super prototype et électrique. Voilà, donc ils seront contrôlés. Et voilà, donc ça, je vais vous montrer l'arrivée et ce sera pour bientôt. Mais on continue sur la vidéo. Et ben voilà les passionnés, l'arrivée est imminente. Je vais vous montrer l'heure. 53, attention. Quelques secondes. Hop. Étape, ça est 17h, donc c'est officiellement la fin. Voilà. Officiellement la fin. Voilà, les derniers participants qui font leur dernier tour. Voilà. Voilà. Il y a des mérites. Il y a des mérites. Ils sont pas les plus rapides, mais ils ont des mérites. Électrique aussi, voilà, ils ont du mérite, surtout avec l'autonomie quoi.
batteries sont impressionnants. Parce qu'ils ont tenu le rythme avec des batteries, des petites batteries. Et c'était un jeu de plusieurs batteries. Ouais, bah, le 48, il a merdé. Ah non, on lui a mis une recommandation de changer son pot. Voilà, enfin son cartouche de pot. Bah, il a merdé, il n'est pas venu au contrôle technique. Il est pas... m'a dit que ça. Et alors, disqualifié. Bah ouais. C'est dur. Ah, c'est pas moi qui ai pris la décision. Hein. C'est pas moi qui ai pris la décision. Ça va jaser, ça. Les mecs, ils sont pris. Je leur ai dit merci. Bon, alors, tu nous prépares un spectacle ce soir ou... Là, je joue discret. Je sais pas, je verrai bien. Ah, on verra bien. Toi, tu étais sur la... Sur l'improvisation, moi. À l'improvisation. Ouais, moi, je suis de l'improvisation. Son drapeau là. Je sais pas s'il l'a vu là-bas ou où là-bas. Tu vas sur la banderole. C'est la fin de la course. Edwige, tu fais la fin de la course. Bon, avec son drapeau de l'année. Il a dit, je suis trois pour la folle. Avec Zarine, victorieux. Après 24 heures de course, départ samedi 17h, samedi 18-17h, et arrivé aujourd'hui, dimanche 19-17h. Thank you.
C'est parti pour le tour d'honneur, à contresens, dans l'autre sens. Bon, bien sûr, la voie est dégagée. Donc là, les Solex vont démarrer pour le tour d'honneur. Et après seulement, on va faire la sélection des machines pour dire qui c'est qui monte en stand et qui c'est qui va en parc fermé. Et la décision de parc fermé, c'est moi qui prends la responsabilité du parc fermé. Voilà. Sinon, je viens, il faudra que je monte dans la voiture, hein. C'est pas très sympa. Tiens, je vais avoir les deux électriques là, avec des batteries conversion Noil, moelle. Bah, tiens, c'est même marqué là. Bravo les gars, vous avez vraiment tenu la cadence avec vos batteries. Franchement, vous avez pâté avec l'autonomie et la cadence. Hein. Franchement, nickel. Bravo à vous deux. Hein. Parce que lui, Steph Team, lui, il a les batteries qui va bien. Mais avec des petites batteries comme les vôtres, vous avez pâté quoi. Oh, on a optimisé. Je vois ça. Allez, c'est parti. Quelques coups de pédale. Allez, 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 les derniers, les derniers. Allez, ah, c'est pas grave. Tu vois, là, tu vas rentrer des stands et t'attends que tout le monde revienne. Ah, lui, il a la poignée cassée, donc je lui dis qu'il allait la rentrer des stands. Puis lui, bah. Ah non, pas deux fois. J'ai déjà eu un problème, un accident là dans la... Bon. Et ben moi je vais aller là-bas, et puis je vais attendre que les machines reviennent. Et puis je vous prends à la suite. On continue. Bon ben voilà les passionnés, là, le parc fermé après arriver c'est fait. Je ne voulais pas filmer parce que j'étais très mal épuisé. Il fallait vérifier que, au niveau conformité des originaux que j'ai amélioré, que le cylindre soit bien en fonte et que, disons au niveau de la course, bah, la course soit bien 40 mm, à 38 pour être précis, et que ensuite au niveau du diamètre ce soit bien aussi 40. Voilà. Bon bah voilà les passionnés, je sais pas si vous entendez bien au micro, j'ai fait mettre dos à la musique, voilà. Là voilà tous les trophées pour les gagnants, voilà. Donc ça sera pour le premier, le deuxième, le troisième, voilà. Voilà, les différents trophées. Voilà, des trophées un peu particuliers, voilà. Celui-là il est pas mal. Regardez.
ici, il est pas mal. Après, des petites plaques spécifiques, voilà, Solex. Celui-là aussi pour les traitements des vainqueurs de scratch. Voilà, la grosse, elle est pas mal. Voilà. Donc ça, ce seront les coupes des participants, hein, qui ont gagné la course. Voilà. Et puis voilà, le beau t-shirt que Edwige porte, la directrice de course. Voilà. Voilà, donc patience, ça va arriver, on va vous montrer la remise des podiums. Ils sont juste derrière moi. 24 heures Solex, ils avaient gagné l'an dernier, ils avaient déjà gagné je ne sais plus quand. L'équipage 5, le team grand joie, 502 tours, on remercie la Croix-Rouge de nous avoir accompagnés pendant ces 24 heures et même depuis hier matin. On les applaudit, le team Grandjoie, 502 tours, vous avez battu votre corps les gars. C'est bien, félicitations. 502 tours en 24 heures. Moi je vous donne pas de poignée de main parce que j'ai les deux mains prises et même si j'en avais une troisième, ça me rendrait bien service. Et qu'est-ce qu'il dit Charlie lui? Il est toujours aussi gentil ce chien. Toujours aussi calme. On les applaudit. La victoire du team Grandjoie qui vont repartir. Ils auront sûrement peut-être, je sais pas, peut-être rien. Allez. Donc s'il y a des gens pour les photographier, nos amis et Scratch de cette année. Oui. Ils sont obligés de revenir les gars. Tant pis pour vous, sinon on vous déclasse. C'est comme ça. Au point où on en est. Allez, deuxième fois qu'il gagne, oui, oui, oui. Allez, regardez si elles sont pas mignonnes, ça c'est la tendance. Et on compte sur vous pour nous les ramener l'année prochaine. Oui, de toute façon, ils n'ont pas le choix, ils suivront. Et voilà l'équipage Grandjoie, 502 tours, victoire pour ces 36e... 24 heures Solex, donc victoire au scratch. Ensuite, restez donc là, parce que j'ai l'impression que c'est peut-être vous qui avez gagné la votre catégorie. Ça serait con d'avoir gagné le scratch pour votre catégorie quand même. C'est 4 fois qu'il gagne le scratch, effectivement. Et donc, Super Proto, premier des Super Proto, l'équipage 5, toujours le même. L'équipage Grandjoie, 502 tours. Ah, c'est le grand trophée. Meilleur temps au cours, 2.35, 731. Et, voilà, avec le coup. Et évidemment le trophée qu'ils ramèneront obligatoirement l'année prochaine. Et s'ils le gagnent l'année prochaine, ils le conservent. C'est magnifique trophée fait par notre ami tatoué. On remercie bien sûr nos amis cibistes qui nous quittent. C'est Damien qui avait fait celui-là. Eh ben, il est très beau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une photo avec les deuxièmes, troisièmes. Ça ne fait pas trop de monde sur le podium. Non, il est lourd. Donc, deuxième Super Proto. L'équipage 16, le team Lemouen, 486 tours. Meilleur temps au tour. Ils ont été meilleurs. 2.35.664. Ils avaient 16 tours. Attends, je vais me cacher, je vais me mettre en bas comme ça. Je serai pas sur les photos, je vous dérangerai pas. Donc le 16, le team Labouine, 486 tours. Pourquoi ils s'appellent comme ça? Ils le savent même pas. Ils ont des choisissements un jour où ils doivent avoir un peu bu. Donc vous inquiétez, faut jamais poser de questions comme ça à des gars comme ça. On peut pas savoir de ce qu'ils sont capables de vous répondre. Et voilà. Et le troisième Super Proto, le 10, le Téréal, 482 tours, à 4 tours. Et eux, ils ont aussi l'habitude. Je vous rappelle que c'est eux qui ont le record du tour en 2.28.769. Ils n'ont pas réussi à battre le record du tour qu'ils avaient établi l'an dernier en 2.28.709, à 7 dixièmes. Ils ont été longtemps premiers, un petit chronométré, enfin flashé ou contrôlé dans la descente à 118 km/h, je vous le rappelle. C'est eux qu'on a vu les plus vite. À 7 dixièmes, c'est les roues. C'est une roue ou pas? Une demi-roue. C'est une demi-roue. 7 dixièmes. On peut estimer ça. 197.
Allez, on les félicite, on les applaudit, on est content d'eux. Voilà, ils sont tous là. Les mécanos, les pilotes, l'intendance. Les trois pilotes, les mécanos, ceux qui soutiennent, ceux qui peinent, ceux qui les encouragent. Ils sont venus, ils sont tous là. Également, on va avoir une surprise pour le deuxième proto qui nous vient de nulle part. Ils étaient malheureux, je les voyais, ils étaient prêts à pleurer. Ils ont dit, cette année, on ne va pas monter sur le podium, mais si, on les verra tout à l'heure. Allez, félicitations. Et vous aussi, trois victoires et vous le ramènerez. Voilà. Deuxième proto, quelqu'un qu'on n'aurait pas cru voir sur le podium, les Tigrous Killer, le 35, 161 tours. Et voilà, on n'aurait pas cru les voir sur le podium. On avait l'habitude de les voir à la buvette, et ben non, ils sont capables de tout faire. Et lui, il a failli faire le trail. C'est effectivement, c'est les Bretons qui sont venus, c'est les seuls Bretons, puisque en Bretagne, ben, aujourd'hui, il y avait une compétition Solex aussi, qui d'habitude n'est jamais faite. Alors, ils m'ont dit, ils sont très contents, vous savez pourquoi? Parce qu'en Bretagne, il a plu tout le week-end. Et voilà ce qui vous attendait. Les Tigrous Killer. Et pour information, c'est que ce même week-end, en ce moment, il y avait on les félicite, le on les applaudit, on prend les photos. Voilà. Avec la mascotte. Le plus jeune pilote de la course, donc c'est Sohan, c'est celui qu'on voit là. C'est lui que j'ai aidé à ramener sa machine au stand, voilà. Il avait un petit souci, il a loupé le virage, et puis j'ai ramené sa machine et voilà. Au stand. Mais il a l'air d'aller mieux, ça va, plus de beurre que de mal. Alors c'est en gros la géographie de la Creuse, quoi. Ça ressemble à ça, c'est un peu tordu. Et ensuite on en était au troisième proto. C'est le 90, les Dingos du Galet, 139 tours, 3-0-1, les Dingos du Galet, ils sont où? Ils sont pas loin, le 90, et oui, ils l'ont fait. C'est été cassé en deux, il est quand même là sur le podium. Félicitations. Mais il est vraiment démonté, quoi. Le truc, c'est une épave, quoi. Et ils ont quand et même voilà, fait une place. Était en même temps, c'était 4-3. Et c'était 4-3. Ils ont réussi à gagner quand même une fois à Nouzier. Ils l'ont eu. 36 ans qu'ils se bagarraient, que notre ami tatoué essayait de gagner à Nouzier. Non, il a déjà gagné. Premier promotion. Allez, Olivier. Et voilà. Ah, première promotion. Enfin une victoire. Ça fait un moment qu'ils courent après, les gars. Et en plus, ils sont là. Ils sont de chez nous. Incroyable. Bien sûr, ils leur donnent tôt ou tard en vélo Solex. Et ben, ça a été plutôt tard, 36 ans qu'ils auraient pu gagner. Et ben, ils ont gagné aujourd'hui parce que vous étiez là, parce qu'il y avait les Alsaciens. Et surtout parce qu'il y avait les Alsaciennes, parce que ne les croyez pas, ils préfèrent les filles. Merci.
deuxième promo, encore des gars des coins. Le L'équipage 34. Et voilà. On prend la photo. Et troisième promo, le 66, sort Team 2RD. On les félicite aussi. Il y a longtemps qu'on les avait pas vus sur un podium à Douzier. Mais ils sont là. Et ils repartent. Le trophée. Attends, baisse un peu, on ne la voit plus, la petite. Elle avait les. Voilà, comme ça. Quand on voit ta tête, fais un sourire. Allez. Donc, quatrième promo, le 20 SMD 1, cinquième, le 49 Team Cugno Compétition. Et sixième, le 25 Team Alligator. Avec Yannick Laurent, d'être cité. Et le patron de l'Eurodivision. Ils ont bien participé, ils ont fait le maximum. Désolé pour le cadrage, hein, je suis au téléphone. Voilà, comme je l'ai mis dans la fobule. Désolé pour le cadrage, c'est pas dans la route, 301 tours. Il ramène aussi les trophées. Et voilà. Quand vous l'aurez gagné trois fois, il sera complètement à vous. Les trophées. Trois victoires. Ça fait deux fois qu'il le gagne. Plus qu'une fois, les gars. On y croit pour l'an prochain. 2025, vous le ramenez chez vous. Ah oui, vous l'avez gagné. Ah oui, c'est les prochains, oui. Deuxième origine améliorée, le 152, le Gamax, 277 tours. Le 152, ils sont où? Ils sont là, tous de jaune vêtus. Couleur tournesol, quoi. Ou alors un petit peu Ricard, on sait pas. Hein. Équipage en arnais comme moi. Et le troisième origine améliorée, le 38, les brochets, 254 tours. Ouais. Donc, et ouais, ils ont gagné deux fois, encore une fois pour l'avoir, mais ils l'auront un jour, ils l'ont dit. Et ensuite, quatrième origine améliorée, le 62, les Classards du Beaujolais. Cinquième, le 116 km/h Team. Sixième, l'équipage féminin, 716 Team Contini. Et septième, le 72 Spa Team. Le 7. Bien Martin dans l'équipe. Ah non. Donc ça serait. Ils l'ont pas marqué. On l'a pas marqué. Donc l'équipage 716, de toute façon, reste pas trop loin. Elle reste pas trop loin, les jeunes filles. Peut-être qu'avec un peu de chance, elles auront. Ouais. C'était le meilleur éclairage. 707. Ah.
On a dit l'éclairage 716, vous avez ceux qui ont mis l'éclairage sur le 716 ont les félicitations de leurs adversaires. Et les Bretons, donc, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a l'envers de votre drapeau. Il y a l'envers le drapeau. C'est les bouffettes d'abord, les rayures. Nous, on est fiers d'être Creusois, eux, ils sont fiers d'être Bretons. Et on s'entend tous bien. On n'est pas prêts de se faire la guerre, les gars. Donc, on se pose pas de questions. Deuxième origine. Ça va faire du bruit, le 86, la Côte d'Or. Ovation, ovation. Et comme ça suffisait pas de les entendre gueuler une première fois, troisième en origine, le 21, Thiers Navarre. Alors, exceptionnellement, donc il récompense, exceptionnellement, on va quand même accueillir sur le podium, même s'ils n'auront rien, les quatrièmes, parce que les troisièmes ont 119 tours, les quatrièmes ont 119 tours, qui c'est les quatrièmes? Ce sont les cigognes! Deuxième, troisième, quatrième, le même équipage. Et pour la photo, les gars qui sont en rose, qui ne vont pas rester sur le papa. Allez, vous y montez aussi, ça vous apprendra. Tous les gars du lycée, de l'armée, de l'air, de simple, l'équipage 21-75-86. Ce sont des jeunes, ils ont tous les espoirs pour faire du Solex. Ils sont nus. Allez, la photo de leurs supporters. Allez, tous devant. Les supporters du lycée de l'armée de l'air. Merci Soto. Oui, Soto. Ouais, Soto! Ah, c'est une belle ovation, là. Allez, les nanas de 50 ans, allez, devant! Mettez-en une rangée devant, couchez comme au foot. Ils le méritent. Le lycée d'Armandère de Sainte qui vient pour la deuxième fois, qui monte sur le podium pour la deuxième fois. Allez, madame, montez, allez sur la photo. On va bien trouver quelqu'un pour faire une photo. Très belle course pour ce Solex électrique. 410 tours l'an dernier, ils en avaient fait 314, si je me souviens bien de tête. C'est vraiment... Ah, on va vous voir après. Restez pas trop loin. C'est bien rare, ça on vous appelle pas un jour ou l'autre. Ça a été rajouté au stylo. C'est pas de bol.
Et ces gars-là, on les a vus dans le temps quand ils étaient jeunes, ils n'avaient pas l'électricité à tous les étages, ils venaient avec un Solex normal. Eh bien, ils ont progressé, ils sont venus avec un Solex électrique. Deuxième Solex électrique, le 70, c'est Provençal. Et ils nous viennent d'où, c'est Provençal, parce que là, s'ils sont profs, ils nous viennent de lycée. Lycée du Chêne avec l'équipage tout entier, bien sûr. Et Nicolas, vous faites monter. Bravo les gars. Allez, bravo les gars. Parce que. Alors, comme l'an dernier, les élèves avaient battu les profs. Cette année, il y a que les profs qui sont venus. Ils ont dit, on fait pas de travaux manuels sur le Solex cette année. Il n'y aura que des profs. De toute façon, c'est eux qui sont chefs. Et le troisième, c'est le 64 Besançon Codard 158 tours. Le 64. Oh non, tu montes avec, ça fait une grosse photo. Après, c'est... Allez, on prend les photos. Prenez surtout les élèves, prenez pas trop les profs. Enfin, faites ce que vous voulez, après tout, vous êtes chez vous. Et je vous rappelle à tous que vous pouvez bien sûr retrouver les classements, les photos sur le site du comité des fêtes du Solex à Nouziers. Vous tapez comité des fêtes de Nouziers, si vous ne vous rappelez pas, vous allez sur l'onglet Solex, sur l'onglet résultats, sur l'onglet photos, sur ce que vous voulez. Moi, j'y vais jamais, mais je sais que ça existe. Pas de ma faute. C'est Marc qui m'a montré comment construire un ordinateur. Allez, on en a maintenant terminé avec les Solex, disons officiels, mais on aura quand même sûrement quelques mots à vous dire sur le lycée Cugnot qui est le lycée Duchesse qui sont marqués là au crayon. Duchesse. Ouais. Je savais bien qu'il y avait des trucs comme ça. Ouais. Ils ont du mérite, hein. Voilà. Avec une seule batterie sur le Solex. Ensuite, nous allons passer au mob. Deuxième mob, le 14, culture mob, 41. 365 tours. Allez, le 14, ils sont arrivés, voilà, je les avais pas vus. Monsieur, c'est leur première course, me dit-on. Eh ben, ils méritent d'être félicités une fois de plus. Félicitations à tous. Tout ça dans la bonne humeur. Troisième mob, le 41 Costa. 355 tours, le 41, le team Costa. Et
Et donc, on avait un quatrième mode, le 26, Farbitim 86, suite le 57, ANPR Racine, le 99, Team Soustronné, le 88, M&M's, le 123, Maxel Vendetim, le 32, GSE Mob, le 51, Team Xiao, le LAS, le Pissefreux du Berchon, et le 3, Chibonzor. Le jeune, ouais. Alors, en... et le plus vieux. Donc, on a récompensé le plus jeune sur un nouvel. Ouais. Donc, maintenant, on va prendre le plus âgé ou le moins jeune. C'est donc Hernandez. Il est où le Pedro Hernandez, l'équipage 11. Je ne sais pas, j'espère qu'il est toujours là. On va également appeler, un équipage qui était venu seul cette année. C'est leur 19e participation. C'est le lycée Cugno. Je rappelle, allez, montez, grimpez là-dessus. Ça vous apprendra. Vous n'avez pas voulu bien gagner, mais vous vous montrez quand même. Ils n'ont pas voulu amener les petits. Allez, félicitations. Félicitations aux profs du lycée Cugno. D'habitude, ils viennent avec deux équipes. Là, ils sont venus avec une. Donc, on avait trois lycées que nous remercions. Le lycée Cugno, le lycée Duchesne et le lycée de l'armée de l'air de Sainte. Lycée Cugno, un seul équipage. Duchesne, deux équipages, 70 et 76. Et le lycée de l'armée de l'air, 21, 75 et 86, qui sont tous passés sur le podium. Je vois les Barbies. Vous n'êtes pas monté sur le podium, vous avez le droit de passer derrière. N'oubliez pas, je l'ai dit à tous les équipages, même si vous n'êtes pas sur le podium, faites dans un tour derrière, ça ne se verra pas. Je pense qu'il y a des gens devant. Ce serait dommage de repartir avec la soif quand même. Allez. Et maintenant, je crois qu'il nous reste encore une récompense. Alors autant s'en débarrasser. Le seul équipage féminin, le 716. Le 716. Allez, elles sont où, les jeunes filles? Eh bien, elles sont là. C'est 716. C'est toujours pareil, ces femmes. Il faut les attendre. Alors que quand tu rentres du bistrot en retard, elles t'engueulent. Alors que nous, on les attend toute une année, même aujourd'hui. J'espère pour vous que vous engueulerez pas vos mecs la prochaine fois qu'ils arrivent bourrés en retard. Je vais prendre les noms. J'enverrai des ordonnances. 15 ans. Il y en a une petite quand même qui a de 15 ans qui a roulé. Bon ben voilà, ça y est les passionnés, je suis sur la route du retour, hein, donc j'ai pas filmé en fin de journée. Voilà, donc 24 heures sous le... pas le beau temps, mais au moins pas la pluie. Malheureusement la pluie tombe là, je sais pas si on voit bien, c'est un peu humide. Voilà, je suis sur la route du retour. En tout cas, je remercie l'équipage 16 km/h pour le repas, enfin la petite convivialité du dimanche soir là, et je suis pas couché trop tard, on va dire minuit, on va dire pas trop tard. et du coup voilà, je voulais faire cette conclusion sur la route de retour en camping-car, parce que je suis accompagné de mon cousin qui est propriétaire de ce camping-car là, voilà. Et voilà, donc c'est sur ce mot là que je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ah oui, petite parenthèse, désolé hein, je n'ai plus de batterie sur mes caméras, donc je finis au smartphone, voilà, l'enregistrement. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus. Merci de votre attention. Pour me soutenir, mettez un j'aime, laissez un commentaire, partagez la vidéo, laissez un pourboire si vous appréciez mes vidéos, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.